Allez, la course d'élan de Renaud Lavillenie, le sprint, la vitesse du champion olympique français à 6m16, pourquoi pas. Ah, record du monde, record du monde, Renaud Lavillenie est le nouveau record man du monde du saut à la perche, 6m16. Sergueï Boubka est debout, l'ovation hystérique, les mains sur la tête, il est groggy. Renaud Lavillenie est le nouveau record man du monde du saut à la perche, 6m16, sur les terres du Tsar, sur les terres du grand Sergueï Boubka, sous les yeux de Sergueï Boubka, c'est l'hystérie, c'est la panique, tout le monde est groggy, tout le monde est scotché, 4000 Ukrainiens debout et qui observent Renaud Lavillenie qui se lève. Le nouveau recordman du monde est un Français, il a 27 ans, il est champion olympique, mais surtout maintenant, il vient de survoler une barre à 6m16 avec de la marge. Forcément, depuis que je suis rentré en France, j'ai eu plein de choses auxquelles je ne m'attendais pas, notamment l'accueil à l'aéroport, et puis depuis là, toutes les sollicitations médiatiques et diverses aussi, tous les messages d'encouragement, de félicitations, etc. Donc, il faut que je prenne le temps. Après, ce qui est aussi important pour moi, c'est de rentrer chez moi, justement, pour... Je pense qu'une fois que je serai chez moi, je me rendrai peut-être un peu plus compte de ce qui s'est réellement passé. Mais voilà, à force de voir le saut en boucle, à force d'entendre tous les commentaires, on s'en rend compte petit à petit. Mais je me souviens qu'après les Jeux, Jean Galfion m'avait dit qu'il va te falloir du temps pour te rendre compte de ce que tu as réalisé. Et je suis persuadé, j'en suis sûr, que là, c'est... C'est exactement du même style, il va me falloir du temps, quoi. Après, je ne suis pas pressé, donc c'est pas bien grave. Je pense tout de suite à la suite. Je pense que d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai tenté une barre à 6m21 derrière, parce que je voulais prendre des repères pour le futur. Ensuite, sur ce saut à 6m16, il y a une petite marge. Après, c'est toujours la question, combien il y avait, combien j'aurais pu passer. Ça, c'est... On se le pose tous. Le fait est que l'important, c'est de passer au-dessus et que la barre reste. C'est-à-dire qu'on soit 15 cm au-dessus ou 1 cm, la performance reste la même. Donc c'est ce qui est assez extraordinaire. Et ensuite, pour l'avenir, évidemment, j'y pense beaucoup parce que d'une, je suis encore jeune. J'ai encore de belles années, de belles compétitions devant moi. Et je pense que j'ai encore du moyen de progresser, vu que ça a été mine de rien assez rapide cette saison. Et je sens qu'il y a encore des choses à affiner. Bon, les réglages sont de plus en plus fins. Mais voilà, pour moi, c'est pas fini. Et de toute façon, j'ai l'envie et la motivation d'aller encore plus haut. Il tente 6 mètres en direct sur BFM TV. Renaud Lavillenie, on va sortir la caméra du pied, qui tente 6 mètres 21 de pulvériser le record du monde. Avec Dominique Le Pic qui arrive à retirer la caméra de ce pied, parce que c'est énorme ce qu'on va vivre en direct sur BFM TV. Encore une nouvelle page de l'histoire du sport, si vous êtes encore avec nous. Et là, on va regarder Dominique Le Pic. Il a le sourire, il est décontracté. Quel moment d'émotion sur BFM TV. Le voilà, Renaud Lavillenie, 6 mètres 21 peut-être. Il a failli se blesser, tout va bien pour Renaud Lavillenie. Malheureusement, il a planqué sa perche, il a pas mal, ça va, on a eu un peu peur. Mais il a quand même le sourire, Renaud Lavillenie, le voici, le Français, qui, alors a priori, il ne va pas tenter à nouveau parce qu'il a fait un petit peu mal pour l'instant. Renaud Lavillenie, voilà, il vient de le dire, j'ai mal au pied, le Français voilà, a retiré son pied gauche, il a essayé, il s'est un peu précipité, il n'y a peut-être pas la même concentration qu'il y a 10 minutes pour son record du monde, à 6m16. J'ai passé ce matin une IRM et j'ai vu chirurgien spécialiste. En fait, j'ai rien de grave. C'est-à-dire qu'il n'y a rien au niveau osseux, rien au niveau ligamentaire. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Le seul problème, c'est que la plaie est quand même assez conséquente. A fait pas loin de 7-8 cm de long. Et samedi soir en Ukraine, ils m'ont quand même mis 16 points de suture. C'est quand même pas rien. Et étant donné que c'est mon pied d'impulsion, je suis obligé d'être vraiment très prudent. Et
Donc je suis obligé de déclarer forfait pour les mondes dans 3 semaines, parce que le temps imparti sera beaucoup trop juste. Et l'objectif, bah, c'est de guérir à 100% et puis d'être d'aplomb après pour l'été, quoi.